Ah aussi, avant que la vidéo commence, très importante, j'ai oublié de dire que pendant la vidéo, pendant que le live, enfin pendant que l'événement de Fortnite s'est déroulé, je vous ai pas dit, mais ce qui s'est passé après, c'est que tous les serveurs, alors je sais pas si ça a fait aussi sur Xbox, mais tous les serveurs, PlayStation, Xbox, portable, tout ce que vous voulez, ont crash pendant au moins 5 minutes. Ça veut dire qu'on n'a pas pu créer de voix, qu'on n'a pas pu envoyer de message et tout ça. Tout ça à cause de l'événement Fortnite. Je sais pas si c'est vraiment ça vient de Fortnite, mais bon, bref, voilà, c'est une précision que je voulais dire que j'ai pas pu préciser dans la vidéo. Allez, bonne vidéo. Et salut à tous, c'est l'Immortel. Aujourd'hui, on se trouve pour une vidéo très importante. Alors, très importante, pourquoi? Parce que, alors, du coup, je joue à GTA 5, du coup, vous allez comprendre pourquoi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, du coup, normal, donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche 13 octobre 2019. Voilà, 2020, hein, XD. Non. Et c'est l'événement Fortnite. Voilà. Donc, en tout cas, je dis c'était l'événement Fortnite. Parce que je vous explique. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était dans le lobby avec Jao et mon pote, l'amour du doigt. Voilà. On était dans le lobby. Et on attendait que, bah, du coup, le moment venu pour lancer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on lance la partie. On arrive dans le chargement. On était là tout content en mode, ouais, on va pouvoir l'assister. Et là, pouf, message d'erreur. Oh, dommage. Et c'était quoi ce message d'erreur? Bah ce message d'erreur c'était nous avons pas pu vous connecter. Réessayez. Donc ce qu'on fait c'est qu'on réessaye, on réessaye, on réessaye. Et ça ne marche pas. Il était 57. On avait la sueur au front. Mais vraiment on avait la sueur au front. Et on s'est dit, enfin Jao a dit, allez en solo, peut-être ça peut marcher. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on est tous partis en solo. On a essayé de lancer la partie, ça ne marchait pas. 59, je regarde le téléphone. Je me dis, oh putain, c'est mort, je vais pas pouvoir assister. Je réessaye une dernière fois, genre vraiment dans le désespoir, ça ne marche pas. Je me dis, bah allez hop, tant pis, je vais aller voir le live de Bassanka et puis bon, voir ce qui se passe. Hein. Parce que du coup, on n'a pas réussi à. Enfin, j'ai pas réussi en tout cas à me connecter. Donc, il n'y aura pas du coup de vidéo sur l'événement. Donc je vous partagerai dans le. Bah, je crois que je vous ai déjà partagé même au moment où la vidéo sera postée. Mais du coup. Comment dire? Mais du coup, je vous ai partagé le live de Bysanka où il y avait l'événement de la saison 10. Donc vous regarderez le live et puis voilà. Parce que moi, je ne peux pas vous mettre l'extrait parce que du coup, j'ai pas pu filmer. Parce que le jeu ne voulait pas. Le jeu ne voulait pas bah, du coup me mettre dans cette session là. Donc bah du coup bah ça fait que voilà. Vraiment je suis deg parce que je vais pas non plus vous spoil hein, l'histoire. Je vais pas vous spoil en tout cas. Je vais vous laisser regarder la vidéo de Bysanka ou de Jack B9. Tous les youtubeurs étaient en live hein. Et actuellement, ça a peut-être baissé, mais actuellement sur Twitch. On était à 8 millions 4 de personnes qui regardaient Fortnite. Donc les streams Fortnite. J'ai été voir sur la chaîne de Fortnite officielle, donc 7 millions 4 d'abonnés. Et ils étaient 144 000 à regarder le live. Donc c'est énorme, vraiment c'est énorme. En gros, ce qui se passe, c'est il y a un fond noir. Voilà, je vais pas vous expliquer l'événement. Je vous laisserai aller voir les lives des youtubeurs, surtout Bysanka. Voilà, je vous laisserai aller voir ça. Et du coup, bah, j'espère. Alors, je sais pas si je vais pouvoir, mais je pense que aussi dans l'onglet communauté, je mettrai un post. Voilà, je mettrai un post pour dire si vous avez vu l'événement ou pas, ou si vous n'avez pas pu l'assister comme moi. Donc, je ferai ça. Je pense que je le publierai après le post. Voilà. La vidéo sera publiée dans la nuit. Je pourrai pas la publier à 21 h. Voilà, je vais pas pouvoir la publier. Ce sera pas possible. Donc, du coup, voilà. J'espère en tout cas, vous avez pu voir l'événement. Vous avez eu la chance de voir cet événement. Pour ma part, du coup, j'ai pas pu la voir. Hein. Ça fait déjà 3 fois que je le dis, mais c'est pas grave. Et voilà. Donc, si vous voulez aussi savoir, bah, mon cousin n'a pas pu. Hein. On était tous les trois dans le même cas. Tous les trois dans le groupe où on était. On n'a pas pu. On n'a pas pu, du coup. Assister à l'événement. Mais les joueurs sur Twitter a commencé déjà
à faire des mèmes et des trucs comme ça. Donc je vous laisserai aussi aller voir, hein. Vous mettez en barre de recherche Twitter Fortnite et vous trouverez plein de tweets qui sont fraîchement apparus sur le hashtag Fortnite. Et puis bah, vous verrez ces merveilles que vous avez vues. Voilà, bon, bref, bah du coup, cette vidéo-là, ce sera une vidéo. Et normalement, dans quelques jours, il y aura une autre vidéo. Ce sera la vidéo Fortnite, du coup. Voilà, ce sera la vidéo Fortnite. Présentation de la saison. On ne sait pas, mais normalement, ce sera le chapitre 2. Il n'y aura plus de saison. Enfin, plus de saison. Il y aura peut-être des saisons, mais pour l'instant, je dis que c'est le chapitre 2 de Fortnite. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Partage la vidéo, laisse un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne. Mais le pouce bleu, j'ai déjà dit. Je me répète plein de fois, c'est un peu chiant. Voilà, active la cloche, les notifications, mets-les sur toutes pour que tu puisses recevoir les notifications de ma chaîne. Abonne-toi à Discord41, abonne-toi à Toto 0224, je crois qu'il s'appelle comme ça. De toute façon, vous l'avez sur ma chaîne YouTube si vous allez dans les chaînes. Bon, bref. C'était Rémi, c'était putain. C'était l'immortel et je vous dis ciao.